Comment jouer Kiriko? Konnichiwa. Déjà oui, je fais un comment jouer Kiriko avant ton main, mais tu vas pas commencer à pleurer non plus. Moi par contre j'ai une question pour les mains Kiriko. Comment vous êtes main d'un perso qui est sorti il y a 2 semaines les refs? Soit vous êtes des gros menteurs, soit vous êtes juste des weeb fans de waifu en fait. Mais à un moment faut arrêter hein quand même. Bon les bandeurs Japon, pour jouer Kiriko faut de l'aim. Du coup on vous voit les gros nulos qui loupent tous leurs shots et dès qu'ils touchent une tête c'est bon, c'est la fête, on sort le champagne, on appelle la famille, enfin bref c'est un délire. D'ailleurs si vous avez pas d'aim n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet. Ensuite, Kiriko heal avec du papier, et je trouve ça incroyable, voilà, c'est... Moi, mes copies double Clairefontaine, elles soignent pas ma chiasse, quoi, voilà. Bref. Pour continuer, le Pavelos permet à Kiriko de stepper sur un allié. Alors ça sert à deux choses, la première, à revenir plus vite du spawn. La deuxième, c'est aller plus vite au spawn. I'm with you. Enfin, l'ulti de Kiriko sert d'abord à fumer les ennemis, ça c'est logique, mais surtout à rendre vos ennemis, mais aussi un petit peu vous, complètement sourds. Laissez le kitsune vous guider. Mais en vrai c'est pas mal pour plus entendre le vieux Mainfara qui chouine parce que vous avez pas pris ange.